Floufloui pour la 28e partie du Let's Play Pokémon Wack. Alors dans la partie précédente, il remonte encore un peu longtemps. J'en ai profité pour découvrir divers endroits avec la CS Surf. Et puis j'ai encore raté un légendaire pour info. Manaphy, j'ai dans Manaphion. Donc je me demandais justement si c'était le bon chemin ou je sais pas où je suis passé, ça avait l'air d'être le cas. Puis tout le monde est autour 34-35, alors que certains étaient à 33 à la fin de la partie précédente. J'avais juste regardé rapidement au nord, j'avais vu un pêcheur sur la gauche. C'est le corps, on va lui taper dessus. Ah, il était pas efficace. Ça n'est pas du tout le... Sonde. Il peut faire mieux, hein. C'est lui qui peut faire mieux, c'est pas moi. Je dois faire des tris dans mes objets, parce que des écailleurs, je vois pas trop l'utilité pour moi. Route 7. Mandomuscle. En sens vague. Bon, pêcheur, c'est un type pêcheur. On s'attend en général à du type eau. Vous voyez. C'est la voie droite devant. Shrer, c'est quoi ce nom? 33. C'est du dragon ça. Du dragon plastique. Plastique défense. T'as une citrus toi. Je sais pas trop comment je peux m'en occuper. Pas le courage. Je sais pas pourquoi c'est si lent que ça. Raccourage! Bien essayé! C'est à ce moment du jeu qu'on apprend tout de plein de nageurs et de pêcheurs. Tant mieux, c'est la voie de pouvoir tous les détruire. Vous me suivez-vous aussi ou mettrez-vous? Bon, un corallion. Caché.
Ah, des lunettes sages. T'en fais des objets. À l'attaque! Bon, je vais essayer quelque chose de cette lenteur. Ça, c'est beau à cier, moi. C'est à quoi de jette? Bon, comme je sais que Pokémon Walk est un jeu qui a l'air d'être super long puisqu'en 26 parties, je n'ai que 27 parties. 28 même, c'était là. Je n'ai que 4 badges. Bah, je pense que ça serait plus souhaitable que je fasse, ça va être clair, de faire deux sessions de jeu sur une seule et même vidéo, ce qui fait que ça durerait, chaque partie durerait une heure. Parce que si je continue à faire des parties d'une demi-heure à chaque fois, il va falloir attendre la partie 55-60 pour que j'ai au moins le 6ème badge. Hein. Ça va pas plonger ça. Ça, c'est au dragon, je crois. Ah non, c'est pas un dragon. Enfin, c'est une tête de dragon, mais c'est pas un dragon. Plus. Ça a changé d'apparence. C'était 18 dans ce plus, on a eu Zenith dans la partie précédente. J'adore les propos impertinents de ces PNJ. Face au roi. Bec grille. T'as un poisson qui a un bec. T'as un bec qui vient de m'esquinter la moitié de ma vie. Ça donne tant de points quand même. Qu'est-ce que c'est que ce passage? Encore un truc de légendaire, je pense. Bon, encore une zone alors, je sais pas. Une zone. Une chartorite. Chartor peut méga évoluer? Ah bon? Et quand tout à coup surgit un légendaire? Peut-être pas, je sais pas. Ah, c'est bon. Avec des sauvages et des inouïs et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a au bout? C'est une grotte électrique, ça, on dirait.
Aïe, il n'y a pas de sauve des ficos. C'est vrai que c'est costieux, ça. Vol magnétique. Il est en train de flotter en l'air, lui. C'est vrai que je n'ai pas d'attaque de type sol non plus. Bon, pour le corriger. Il avait séisme. C'est comme la purée de pain en fait, c'est faible, mais c'est pénible. C'est Monsieur Hibou ou Maître Hibou, ça dépend de vos préférences. Hein. Un légendaire de type électrique, mais bon, il n'y en a pas beaucoup de légendaires de type électrique. Il y a Zeraora, il y a Elector, Pierre Foudre. Bon, la musique est bien, mais bon, j'ai peur de me faire agresser tous les 5 pots. C'est quoi ce cri de beau gosse qui me fait? Machouille. Ça fait mal, hein. Ah bah c'est récursif, ça. C'était récursif. Eh ben il rigole pas, hein. Astronomie qui entraîne astronomie qui entraîne astronomie. Ah bah ça a interrompu le combat. Astronomie. Black hole, trou noir, raté, jamais de chance. Ah, on fait 3 de paralysie, c'est que je vais avoir un achievement, ça continue. On fait 3 de paralysie sur les 6, est-ce que tu vas avoir un bonus? Et en plus, c'est vrai que dans ce jeu, il n'y a pas beaucoup de B. Enfin, j'ai pas beaucoup d'objets tout court. J'en ai 3 quand même, c'est pas mal. Bon, je pense que j'y retournerai quand j'aurai plus de choses devant moi, plus sur moi, parce que vrai, quand même, c'est encore un grand lieu. Alors, si c'est pas là qu'il faut aller, c'est pas bon. Il manque quoi? Ah, pas efficace. C'est l'aspect de la malchance, je dirais. J'ai 3 paralysés, la confusion du premier coup. Il manquerait plus que quoi? Encore un de ces pièges trolls, quelque chose comme ça. Je t'ai déjà fait piéger une fois en filmant, une fois hors vidéo, c'est du bidon. C'est
Non, rien. C'est bien efficace. Et où est la logique alors? Ça, quand même. C'est un dresseur, ça, si on se tape dessus. Je sais pas, ça a l'air d'être pas encore le bon endroit. Piètre sens de l'orientation quand tu m'y tiens. Ah, il y a d'autres choses. C'est plus marrant, ça va être marrant, tiens. Par contre, je mets qui devant? Dès que j'ai deux paralysés, deux amochés, peut-être trois. Combien de niveaux? 35, je dirais. 32. Kuba. Bien essayé. Surchauffe. C'est pas mal quand même, hein. Quelle destruction! Je vais me faire agresser jusqu'à la table de toi. Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais vu la petite la pré-évolution de ça. Mais c'est quoi comme type? C'est au pur? C'est au poison, je crois, mémoire. Je ne sais pas trop. On va essayer ça. Non, c'est pas poison alors. Change. C'est au pur peut-être alors. Ça a l'air, peut-être. Et ça a l'air de faire pas mal de points quand même. Nageur. Bon, s'il y a un nageur, on va mettre Monsieur Hibou devant. Ah, si j'aurais voulu lui donner un surnom alternatif, je l'aurais appelé Aramis Strix. Aramis, parce que c'est un mousquetaire avec son épée, comme la feuille. Et Strix, parce que Strix, c'est une race de chouette. Ah, c'est pas un nageur, c'est... Oh, le look! Ah, ça c'est l'évolution de machin! Bon, merci d'essayer d'attaquer avec de l'acier. Ça bloque le jeu. Osmosis. Une attaque, ça, je pense que c'est une sorte de statue. Ah, c'est une attaque d'absorption d'énergie. C'est quoi le rapport? Eh, quasi une tire de jauge, j'en pensais, hein. À 120.
content de lui comme ça des coups d'épée, toi. C'est que la lenteur, ça fait bizarre. 37. C'est vrai que c'est la folie et destruction. Il reste quoi? Ah, cette plastique résiste à la plante. Bon, il a pas résisté. Ça ne change rien. Par contre, c'est vrai que ça donne beaucoup moins de points, ça. C'est vrai que j'aurais dû refaire faire un peu de course, moi. Carbos augmente la basse vitesse. C'est que Monsieur Hibou, il est un peu pépère en vitesse, hein, donc ça va l'aider un petit peu. Super bonbon, d'accord. Je suis une Beyblade. Oups. Je suis une Beyblade. Ah, ça c'est glace zombie. Bizarre. Oh bah il m'a raté, pas de chance. Et c'est dangereux ça. Rayon gemme, c'est une attaque très intéressante. 75, je pensais que c'était un peu plus que ça, je pensais que c'était 90 ou dans ce genre-là. Oui, 88. C'est vrai que je gagne des sous entre temps, c'est bien. Une vaniluxite. Une sorbouboulite en français. Arrête de te faire la Beyblade, toi, dans l'eau. Ça doit en faire des remous. C'est quoi ça? C'est une glacière. J'affronte une glacière. Quelle dignité! Ah bah c'est une glacière qu'à fermeté alors. Contre ça. Hein, ça nous gèle du premier coup. Ça c'est de l'inédit ça. Une glacière qui gèle du premier coup. Oh là là. Quelle infamie. Et ça en fait un. La pure, mais bon, y'a rien de bon, donc c'est un deuxième. El frigo. Mais bon, c'est la boîte, c'est devenu un iceberg. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, je choisis d'aller par la glace ou par la terre. C'est vrai que c'est le genre de chien par excellence. Sa fermeté, ça résiste, ça vous gèle. Bah dis donc, ça m'en jette un froid. Une pépite alors.
Oups. Voilà, je peux pas finir. Arctic Crash. Ah, si l'attaque là, ça dégueu de recul. Oh, il a dû réussir. Qu'est-ce que tu manigances, toi? C'est vrai que cette zone, je pense que je vais échouer un moment ou un autre à l'usure, je dirais. Parce que, de toute façon, tous les problèmes de statut que j'ai, je suis encore à paralyser, j'ai un gelé carrément. Ah ouais, c'est vrai que j'ai des aspires. Hop, ça va te réchauffer. J'ai des lumes aussi, s'il faut. T'es dresseur, toi, si lui, on sape dessus. Oh, un tarif d'or. Avec ça. Oh bah il avait un ballon. Oh mais coup de jus. Ah non, c'est étincelle. De toute façon, la conclusion est la même. Une séracrolite. Hé, la béblette, qu'est-ce que tu fais là? Oh, ça furie. Je suis désolé, mais bon, j'ai l'avantage. C'est pas qu'un peu. Oh, bon. Comment ça s'est insisté, Pocal? Hurra! Oh, encore la glacière de la mort! Ah, c'est une attaque à toucher multiple. Voilà, il a été touché dans son orgueil, Link, dans son orgueil, le pauvre. C'est plastique glace alors ce truc.
J'espère avoir pouvoir avoir un accès à un soin entre temps parce que ça devient ardu là. Qu'est-ce que c'est que ça? On va y aller par tâtons là, on attaque tonnerre pour commencer. C'est bien du typo alors. Impressionnant mais faiblard. La désillusion. Impressionnant mais faiblard. Bon, si ça c'est au pur. Désolé, il fallait te pousser. Bon, ça ne donne que ça de points. Puis c'était là-bas. Bon, c'est qui, c'est quoi qui m'a attaqué? C'est la Pokéball, c'est une dresseur dans le jeu. Ah, qu'ils sont puissants encore, ils ont un bon niveau quand même. C'est pas assez pour la Watt. Dommage. J'ai toujours du mal avec les nouveaux types. Est-ce que lumière ça marche sur glace? Il y avait la lumière qui se reflète sur la glace, mais je ne sais pas si c'est dans le bon sens ou pas. Bon, bah, bien sûr. Mon ami, il résistera et me gèlera. Aucune chance. 36. C'était 79 souffle glacé. Où est la fin de ça? La glace. Quelle attaque puissante pour une attaque de priorité. On va aller bien un petit lance-flamme d'amour en espérant que le petit Wipop avec une attaque trop puissante comme marteau ou un truc de ce genre-là. Y a pas de petit souci là. Ah, les mécaniques sont tellement truquées dans le jeu, je sais pas trop comment réagir. C'est pas illégal ça, c'est le niveau 40 je crois, bizarrement. Bislamite. Ok, mais là j'arrive pas à vous capter. Ce que je sais, c'est que c'est un fake mode, mais après, je sais pas. J'arrive pas à capter. Ne me gèle pas, toi.
C'est déjà assez pénible en soi. Va me chercher. Ah bah il a une lube. Ah bah il a turbo. Bah là, ça va, y'a pas de deuxième lume là. Mais qu'est-ce que c'est dur maintenant. Bah comme je dis, pour m'avoir à l'usure. Mais c'est bien aux ténèbres, ça serait pas la pollution sur la suite de Chardou, je sais pas moi. Ça va pas mal. En 5. Bon, ça suffit, hein. Je sais pas combien il y a encore de dresseurs, il y a encore au moins une dizaine, hein, je pense, au moins 10. On est déjà deux à boucher, ça devient plus fort, je pense qu'un peu de soin, ça n'a pas de refus, donc je pense que je vais arrêter la vidéo pour maintenant. Et puis hors vidéo, je vais aller retourner soigner un peu l'équipe. Et puis me prendre quelques repoutes parce que c'est bien, c'est pas bien de se faire agresser tous les 10 pas par un truc qui peut vous geler en un coup. Donc, bon, ça va être un peu difficile de dire à bientôt pour de prochaines aventures. Pour ne plus dire à bientôt pour de prochaines aventures parce que c'est la fin. C'est le générique de fin qui va vous le dire. Tu as encore quelques minutes devant toi? Pourquoi ne pas regarder une autre vidéo ci-dessous? Et si le temps se fait court, tu peux juste t'abonner, je t'en serai très reconnaissant. Le Discord de la chaîne attend également ton arrivée. À bientôt pour de prochaines aventures.